Donc, je disais que dans un conflit, nous avons dans l'escalade de conflits, selon le médiateur Jacques Salzer, il nous montre que nous avons six étapes. Ben, il y a d'autres auteurs qui parlent de neuf étapes. Lorsqu'on regarde les détails de désaccord jusqu'au niveau de conflit, il y a ceux qui parlent de neuf étapes. Mais ici, le médiateur Jacques Salvin, il donne plus ces détails-là. Alors, nous avons le problème, lorsqu'on fait la médiation ou dans n'importe quel conflit, avant qu'un conflit commence, il y a toujours un problème, il y a toujours un déclencheur de conflit. Et lorsqu'on arrive à comprendre les débuts de ce conflit-là, lorsqu'on arrive à atteindre les déclencheurs, on parle donc dans ce cas, lorsqu'on arrive à atteindre cela, on parle dans ce cas de la ponctuation du conflit. La ponctuation du conflit. On parle de la ponctuation du conflit. Dans ce cas, on parle de la ponctuation du conflit. Et nous avons dit que lorsqu'on fait la médiation, l'origine de n'importe quel conflit, c'est la compétition. Ça, c'est comme ça qu'on peut interpréter la compétition. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à émettre son point de vue. La compétition, on peut avoir une compétition pour les compétences. Par exemple, celui-ci, c'est quoi le meilleur? Il veut faire passer, s'imposer par rapport aux autres consorts. Il y a toujours un déclencheur. Il y a toujours quelque chose dans la société, dans n'importe quel conflit. Il y a toujours. Et c'est ce qu'il faut chercher. Lorsqu'on fait la médiation, lorsque vous êtes en face de deux antagonistes, on doit toujours chercher à comprendre qu'est-ce qui a déclenché le conflit. Et lorsqu'on se pose cette question-là, on cherche à atteindre, à comprendre ce qu'on appelle la ponctuation, le début, la ponctuation du conflit. Lorsqu'il y a un problème et qu'il y a un défaut de langage, il y a de l'imbroglio, il y a la confusion entre les individus, les antagonistes, les gens qui sont en conflit, on parle de l'incompréhension. Donc, à ce moment-là, les conflits P passent au point I, donc incompréhension. L'incompréhension, c'est comme nous avons vu avec le militaire, l'incompréhension. Vous avez pris sens unique. 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 Et l'autre dit, non, non, moi, je dois continuer. Crevaison de pneus. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'obtempérer. À ce moment-là, on parle de l'incompréhension. L'incompréhension, n'est-ce pas, va aboutir au point 3, le désaccord. D. D comme désaccord. Problème, incompréhension, désaccord. Le désaccord. Et finalement, on arrache l'arbre, on tend vers l'agressivité, vers la violence. On commence à disputer l'arbre. Parce qu'il y a eu incompréhension, la communication entre les deux antagonistes n'a pas marché, il n'y a pas eu compromis dans la communication, à ce moment-là, il y a désaccord. Alors, lorsqu'il y a le désaccord, et c'est le désaccord, qui va, n'est-ce pas, donner naissance à un conflit. Le conflit, c'est-à-dire que on va observer maintenant un individu, lorsqu'il y a des accords, c'est à ce moment-là que l'un des antagonistes va présenter un comportement agressif. Les comportements d'agression peuvent être réciproques. L'agresseur, quelqu'un d'autre, va commencer, comme dans les cas de policiers, ce sont les policiers qui ont commencé à agresser. La garde républicaine, on a vu ça dans les images, parce qu'il y a eu des accords, l'agression, ils ont commencé à l'agresser, ils ont commencé à le soulever, arracher l'arme, parce qu'il y a eu des accords. Et qui dit, vous me menacez, pourquoi vous me menacez? Vous osez me menacer, donc ça veut dire qu'on voit qu'ils ont commencé à l'agresser. Alors, de désaccord, dès au conflit, nous avons trois étapes. Première étape, nous avons le temps habituel de la résolution des désaccords. Le temps habituel de la résolution d'un accord. Alors, lorsque,
Donc, le temps habituel de la résolution d'un désaccord. Voilà. Le temps habituel de la résolution d'un désaccord. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire ici, quoi? Lorsque les individus communiquent, plus le temps de désaccord, plus les gens, les antagonistes ne s'attendent pas, plus ça traîne, plus la colère augmente. Donc, plus ça traîne, plus la colère augmente. Je vais mettre ceci, excusez-moi. Donc, plus ça traîne, plus la colère augmente. Plus ça traîne, plus la colère augmente. Voilà, j'arrange un peu ça. Donc, plus ça traîne, plus la colère augmente. Vous allez voir que dans un débat, ça commence tout doucement. Même dans le groupe WhatsApp que vous avez souvent de discussions qui vont même arriver les gens qui s'insultent, qui s'injurent, et même quand vous racontez, il y a les gens qui se battent aussi. Ça commence d'abord avec un petit ton, ça augmente tout doucement, parce que plus le temps de la résolution des désaccords est grand, plus le temps augmente, c'est plus la colère aussi augmente. Les émotions commencent à envahir. On est submergé, plus on est submergé par les émotions. On est submergé par les émotions. Et en rapport avec le temps, nous avons le professeur David Lubo-Yabela, qui est actuellement le président de la Bukine. Il a proposé une solution ici. Dans sa thèse de doctorat, il a travaillé, lui c'est un spécialiste en règlement des conflits à Cabinda, il avait travaillé dans le conflit de Cabinda, sa thèse a porté sur ça, lui il a parlé du principe d'épuisement. Alors selon ce professeur David Lubo, qui est le président de la Bukine actuelle, il est professeur en SPIA, aussi il fut bourgmestre de la commune de Lemba. Lui dit, en rapport avec le temps habituel de la résolution, pour lui, il trouve que lorsqu'il y a des accords, ça ne sert à rien de continuer à discuter, ça ne sert à rien de continuer à chercher à convaincre l'autre. Il y a des conflits où c'est mieux de se taire et laisser, vous arrêtez là, sans trouver le compromis, mais vous arrêtez là. Chacun garde son point de vue. Chacun se retire sans chercher à se réconcilier, mais le temps fait que finalement, à un moment donné, après plusieurs années, sans contact, que le conflit peut périmer. Le conflit peut périmer, ça selon cet auteur, que le conflit peut périmer, le conflit peut s'atténuer avec le temps. Ça, c'est le point de vue, mais quand on regarde ici, c'est son point de vue. Mais ce n'est pas ce qu'on nous dit vraiment ici. Ici, on nous dit que le temps, plus vous créez la distance, quand vous créez plus la distance, quand le temps augmente, ça peut encore augmenter le conflit qui va vers, même l'agressivité peut augmenter avec la distance. Lorsqu'on crée la distance, lorsqu'il n'y a plus de dialogue, lorsque le dialogue est rompu, lorsqu'on met beaucoup de temps pour résoudre le conflit, ici, selon ces auteurs, que ça peut créer encore, augmenter l'agressivité et la colère, ça peut empirer la situation. Mais selon le professeur Lubo, lui, il trouve que quand on ne s'attend pas, les conflits peuvent périmer avec le temps. Ça, c'est le professeur Lubo de SPIA. Donc, après le temps habituel de la résolution d'un désaccord, nous avons aussi, toujours avant de passer au conflit, la répétition des mêmes choses souvent stériles. Les amis, faites attention. Quand vous êtes en train de débattre, vous avez un problème. Lorsque vous savez que dans ces problèmes, il y a
un problème de communication. Vous donnez votre point de vue dans un conflit, l'autre n'écoute pas. C'est-à-dire que chacun, il y a un désaccord. Lorsqu'il y a un désaccord, lorsque vous discutez longtemps, et lorsque vous vous rendez compte que vous répétez, vous dites la même chose, mais l'autre ne comprend pas, cette répétition de même chose, et c'est souvent stérile. C'est-à-dire stérile, pourquoi? Parce que vous avez dit quelque chose. L'autre a dit. Vous vous dites quelque chose, lui dit le contrôle. Vous dites quelque chose, lui dit le contrôle. Donc vous répétez la même chose, c'est-à-dire stérile, pourquoi? Parce que c'est, ça n'avance, ça vous avance à rien. Là, il faut comprendre que vous êtes déjà en train d'avancer vers la fermeture de la position de l'autre. Ça, c'est déjà, vous évoluez déjà dans un conflit. Je vous montre les différentes étapes, comment est-ce que dans un conflit, les gens arrivent même à s'intituer. Donc là, comprenez que vous évoluez déjà vers une étape dangereuse. Parce qu'après répétition de même chose, souvent stérile, vous dites A, lui dit B, A, B, dit A, B. Et par conséquent, cette étape-là où vous répétez les mêmes choses, souvent stérile, l'autre ne réagit pas, vous dites, mais ça n'avance, ça ne vous avance à rien, ça arrive souvent à ce qu'on appelle, on appelle ça fermeture à la position de l'autre. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre position, l'autre a sa position, moi je fermais ma position, l'autre a fermé, et surtout on appelle ça fermeture à la position de l'autre. Et la fermeture à la position de l'autre qui va même, juste même, à refuser le débat. Parfois, on dit, bon, écoute, je ne vais plus vous recevoir. Est-ce que vous pouvez trouver quelques minutes, quelques heures pour qu'on discute avec vous? Non, 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 c'est fini. On ferme sa position à l'autre. Je ne vais plus vous recevoir. C'est fini. Gardez votre position. Je garde ma position. On appelle ça fermeture à la position de l'autre. Ça, c'est une source de conflit qui aboutit à la violence et à l'agressivité. Pourquoi? Parce que lorsque on ferme s'approchant à l'autre, on ne sait plus s'exprimer, on utilise d'autres voies, c'est la violence et l'agressivité. La violence et l'agressivité, c'est ce que nous avons vu ici, c'est une terre ici, parce qu'il y a eu fermeture à l'approchant de l'autre, comme il y a eu fermeture, et voilà, ils se touchent. Ils ont commencé, ils sont arrivés aux mains. La violence. Et voici la conséquence de la violence où ça nous amène. Ça, ce sont des conséquences de la violence. Et ça ne s'arrête pas ici. Ça ne s'arrête pas ici. C'était les policiers et le garde républicain. Maintenant, ça devient un problème politique. C'était un problème politique. On a suivi que le président Jamal Kabound a déposé sa mission. Hier, j'ai eu un document où le député au Parlement, les députés de l'IDPS ont désavoué le président Jamal Kabound. Et nous ne savons pas demain qu'est-ce qui va nous arriver encore ou qu'est-ce qui va arriver à ces partis politiques. Vous voyez, tout a commencé là. Des militaires dans la rue, des missions, destruction méchante, et voilà comment, où nous amène le conflit. Alors, dans tout ça, vous, en tant que médiateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez chercher d'abord la cause. Alors, jusqu'où les conflits peuvent-ils aller? Jusqu'où les conflits peuvent-ils aller? Les conflits peuvent aller jusqu'ici. Voilà. Voilà là où les conflits peuvent aller. Les conflits peuvent arriver jusqu'à ce niveau-ci, destruction méchante, à une violence extrême. Les conflits peuvent aller jusqu'à la séparation. Les conflits peuvent aller jusqu'à la mort. Beaucoup de gens, vous voyez, actuellement dans le pays, avec ce soir d'empoisonnement des gens, des conflits, des petits conflits comme ça qu'on sous-estime. Vous êtes en conflit, vous trouvez que non, bon, c'est banal. Vous discutez, surtout là, vous allez voir plus loin. Des petits trucs que vous estimez banals, selon Edouard Grécy, médiateur, il nous montre l'impact sur les antagonistes
Édouard Grécy, c'est un médiateur aussi, c'est un anthropologue. Il montre l'impact des conflits, où les conflits peuvent amener, surtout chez les hommes, les humains. Parce que lorsqu'il y a conflit, les antagonistes sont submergés par les émotions. Lorsqu'on est submergé par les émotions, il y a perte de l'intelligence ou de la rationalité. Les conflits, les antagonistes, les individus en conflit sont submergés par les émotions. Et lorsqu'il y a submersion des émotions, il y a perte de l'intelligence ou de la rationalité. Et lorsqu'il y a perte de l'intelligence ou de la rationalité, il y a la confusion. On parle de la confusion entre le problème et le conflit. Ou confusion entre le problème et l'individu. On ne sait pas finalement quel est le vrai problème. Confusion. C'est pour cela que dans beaucoup de conflits, à un moment donné, tellement qu'on perd de l'intelligence. Parce que lorsque vous êtes en conflit, les antagonistes perdent de l'intelligence, surtout dans les cas de conflits bidirectionnels. Parce que dans les conflits, en fait, on est submergé par l'émotion. Chaque individu est trouvé. Pourquoi on perd d'intelligence? Parce que c'est l'autre. Dans les conflits, c'est l'autre. Pas moi, c'est l'autre. L'autre dit pas moi, c'est l'autre. Et il se crée la confusion. Confusion, on parle de la confusion entre problème et individu. Confusion, problème, individu. Pas moi, mais c'est l'autre. L'autre dit pas moi, c'est lui. Il y a confusion, perte de l'intelligence. Les gens confus ne sont plus intelligents. Parce que les émotions diminuent l'intelligence. Les émotions diminuent la rationalité. Et lorsqu'il y a diminution de l'intelligence, lorsqu'il y a confusion, c'est à ce moment-là qu'il y a la violence sans limite. La violence, en rapport avec la violence, quand je vous disais que ici, vous allez voir que le chapitre est très intéressant. Et lorsque l'homme appelle la société animale des bêtes, société des bêtes, jungle, la question qu'on se pose, qui est bête? Est-ce que c'est l'homme qui est bête ou ce sont réellement les animaux qui sont bêtes? Il y a un auteur, un éthologiste qui a fait des études pour étudier la violence dans le monde animal. Et je crois que c'est les prénoms, ça doit être Desmond, oui. Desmond Maurice, oui, un auteur qu'on appelle Desmond Maurice. Desmond Maurice, il nous montre où la violence peut amener l'homme et où la violence peut aussi amener les animaux que nous appelons bêtes. Et Desmond Maurice démontre que la violence de l'homme est sans limite pour deux raisons. Premièrement, parce que l'homme est très intelligent, effectivement, très intelligent que les animaux que nous considérons bêtes. L'homme est très intelligent, c'est un animal mais très intelligent. L'intelligence de l'homme, c'est que l'homme est capable de chosifier l'autre, contrairement aux animaux. Les animaux ne chosifient pas, mais l'homme est capable de chosifier l'autre. L'homme est capable de considérer l'autre comme, c'est-à-dire chosifier l'autre, c'est-à-dire que ne pas considérer l'autre comme son semblable. À un certain moment, c'est comme ça qu'on utilise, on utilise le qualificatif comme idiot. C'est-à-dire, un homme qui appelle l'autre idiot. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle l'autre idiot, c'est-à-dire qu'on les chosifie. La colère, la violence peut pousser l'autre. Vous avez entendu mes injures, idiot, macaque.
C'est-à-dire, l'homme est capable de considérer l'autre comme un animal, comme une bête. Lorsque l'homme perd l'intelligence, lorsque l'homme est submergé par les émotions, il peut avoir une violence sans limite. Et pour utiliser cette violence-là, il commence par chosifier l'autre, parce qu'à cause de son intelligence, il peut les chosifier. L'homme est aussi capable d'entretenir la violence en distance. C'est-à-dire qu'à distance, l'homme peut entretenir la violence. On peut entretenir la violence en distance. Mais ce n'est pas le cas avec des animaux. Les animaux, quand on dit les loups ne se mangent pas entre eux, les loups sont trop dangereux. Mais les loups, quand ils se battent, quand ils se battent pour le contrôle d'un territoire ou pour le contrôle de femelles, les loups, rappelez-vous le chapitre qu'on a vu hier pour le contrôle, les contraintes écologiques. On a vu des contraintes écologiques, comment la saturation de l'habitat, ça peut créer l'existence des LPR, de l'altruisme. Mais lorsque l'altruisme ne marche pas, à un moment donné, l'individu qui vient aider peut aussi chercher à se battre. Alors, dans le contrôle de l'habitat, les loups, quand on dit les loups ne se mangent pas entre eux, c'est-à-dire que les loups, on voit, ce sont des cas extrêmes, ce sont des animaux très dangereux, très violents. Mais lorsque les loups se battent et que l'autre qui veut conquérir un territoire se sent perdant, il présente au plus fort sa gorge. C'est un signe de soumission pour dire que voilà, tu peux faire de moi ce que tu veux, j'abandonne. Donc, le loup présente sa gorge. Vous voyez qu'avec ses dents, imaginez les dents de loup. Et lorsque le loup, deux mâles qui se battent, l'un présente sa gorge à l'autre, ça signifie que c'est la soumission. Et c'est à ce moment-là que le combat prend fin. Les combats, la guerre, les conflits pour le territoire, la compétition pour les territoires, la compétition pour les femelles, ça se malade que ça prend fin. L'autre, en voyant la gorge des cellules de l'autre antagoniste, il ne peut plus continuer le combat et ça s'arrête là. Vous voyez, c'est qu'on dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Même des lions, le plus fort le quitte calmement. Mais par contre, ce n'est pas le cas pour l'homme. L'homme peut entretenir, n'est-ce pas, la violence même à distance. À distance, l'homme peut arriver même à chosifier l'autre. Hein? Il y a les gens trop méchants, plus méchants que les animaux, que les grosses bêtes. Et vous allez voir un homme en train de torturer l'autre. Un homme en train de couper l'autre à petits morceaux. Il coupe les bras aujourd'hui, demain il revient, il coupe encore l'autre bras, et de suite, l'homme est très dangereux, très dangereux. Regardez ce qui se passe, les images qu'on voit dans le monde où vous allez voir parfois quelqu'un en train de couper. On a vu dernièrement, à l'époque, je ne sais pas si des messieurs, avec les images qu'on nous montrait des Gédéon, Kungu, Tungu, là, on coupe les bras, on mange. C'est-à-dire qu'on prend l'autre, on commence à couper l'autre, on le mange, ou soit on fait souffrir. Des tortures. C'est-à-dire que l'autre est capable, c'est-à-dire que l'homme est capable de considérer l'autre comme une chose, de le chosifier. C'est là où nous amènent les conflits. Les conflits peuvent nous amener à cela, à des violences sans limite. Violences sans limite, les conflits. Voilà pourquoi ne sous-estimez pas les choses. Il faut être très prudent. Très prudent avec des petites choses. Chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a un conflit, ne soyez pas pressé, posez-vous la question, c'est quoi le problème? Pourquoi il y a de l'incompréhension? Sinon, vous aurez des problèmes que vous ne pourrez pas résoudre.
Alors ici, avant qu'on parle de l'évaluation du conflit, puisque nous parlons de conflit, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le désescalade des conflits. Comment est-ce qu'on peut résoudre un conflit? Pour résoudre les conflits, il faut d'abord connaître l'escalade des conflits. Quelle est la source de ce conflit? Pourquoi il y a eu conflit? Dans la résolution des conflits, il faut juste aller de 6 à 1. Il faut faire l'inverse. Il faut se poser des questions dans le sens inverse. Vous avez l'agressivité. Il faut se poser la question, si vous voulez résoudre un conflit, pourquoi il y a eu agressivité? Pourquoi il y a eu agressivité et violence? Parce que lorsqu'il y a un conflit, on constate le dégât. On fait un constat, on voit qu'il y a le dégât. La première des choses à faire dans un conflit qui est abouti à des violences illimitées, on se pose la question, pourquoi il y a eu violence? Il y a eu violence. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un conflit. Pourquoi il y a eu conflit? Il y a eu conflit parce que il y a eu un désaccord et dans ce désaccord, le temps de résolution était trop grand. Les gens répétaient les mêmes affaires, même chose, mais ils ont eu un débat stérile parce que le débat stérile est source de conflit. Il y a eu un débat stérile, il y a eu incompréhension, il y a eu confusion, il y a eu imbroglio autour d'un sujet. Et ce qui a fait que l'un ou l'autre a fermé sa position. Il ne voulait plus attendre l'autre. Il y a eu une distance qui s'est créée. Alors, que faut-il faire? Il faut réduire la distance. Donc, première chose, réduire la distance. Fermeture à la position de l'autre, éloignement de l'autre, on ne veut pas l'attendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire la distance. La meilleure façon de résoudre les problèmes, il faut s'approcher. Au lieu de fermer, il faut ouvrir la porte. On s'approche. Il faut entrer dans l'autre. Ouverture, sa position, entrer dans l'autre. C'est en entrant de l'autre que l'autre va te découvrir. Quand vous entrez dans l'autre vous découvre dans son dedans. Et vous aussi, vous découvrez le dedans de l'autre. C'est à ce moment-là que les préjugés diminuent, les émotions diminuent. Et cette étape-là, on parle de dédramatisation d'un conflit. Dédramatisation. Dramatiser, c'est le contraire qui amène vers l'escalade de conflit. Dédramatiser, c'est-à-dire qu'ici, on dédramatise le conflit. Dédramatiser. On ne stigmatise pas le conflit. Dédramatiser, on appelle ça dédramatiser le conflit. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous permet de dramatiser le conflit? C'est parce qu'il y a eu ouverture de la position. Vous êtes entré dans l'autre et vous avez vu son dedans. En voyant ce dedans, en étant dedans, l'autre vous a découvert et il y a eu diminution des émotions. La suppression de l'émotion diminue. Les émotions diminuent. Par conséquent, la rationalité a augmenté, l'intelligence commence à revenir. C'est à ce moment-là qu'on aboutit à un accord. La compréhension. Maintenant, c'était quoi le vrai problème? Ça, c'est la question qu'on pose souvent lorsqu'il y a des problèmes, des conflits. Par exemple, il y a eu mort d'hommes et consorts, les gens qui se battaient. On pose la question, mais on dit toujours, on ne pose pas la question, c'est quoi le problème? Non, on dit, c'est quoi le vrai problème?
Pourquoi on pose la question, c'est quoi le vrai problème? C'est tout simplement parce que dans un conflit, il y a plusieurs problèmes, mais il faut chercher la ponctuation du problème. Donc, dans un conflit, il y a plusieurs problèmes. Quand les gens sont confus, vous allez voir que si, par exemple, vous allez à l'Est, puisqu'il y a un conflit, ceci, vous allez voir qu'on va vous raconter beaucoup de choses, mais si vous cherchez à résoudre tous ces problèmes, vous allez voir que les conflits continuent. Raison pour laquelle on revient, on pose la question, mais on a résolu ceci, ça ne marche pas. Ceci, ça ne marche pas. C'est quoi le vrai problème? Lorsqu'on se pose la question, c'est quoi le vrai problème? Ça signifie qu'on cherche la ponctuation, le début. La ponctuation du problème. Alors, dans le cas de l'exemple que je vous ai donné ici, l'exemple de policiers ici, lorsqu'on regarde, on voit la violence. Ça, c'est la violence. Lorsqu'on voit la violence, on se dit, le problème, c'est qu'il y a une crevaison de pneus. Mais non. Ou soit, on a arraché, on a désarmé GR. Non. Ce n'est pas ça le vrai problème. Parce que si on s'attend, on s'arrête là, aux images que nous voyons, les vidéos qui circulent, on n'a pas résolu le problème. Le problème n'est pas encore résolu. C'est parce qu'hier, c'était la crevaison de pneus. Avant-hier, c'était la crevaison de pneus. Hier, c'était un GR désarmé. Mais si on dit le problème, c'est le conflit policier GR, on n'a pas résolu. Mais c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est un problème de leadership au sein de l'UDPS. C'est ça le vrai problème. C'est un problème de leadership. Je vis les affiches, les amis de Jean-Marc Kabonda, on met la photo de Jean-Marc Kabonda. Vous voyez, la gloire, le pouvoir, l'honneur, ça fait du bien. Lorsque vous avez les gens qui vous applaudissent, lorsqu'il y a des t-shirts, lorsqu'il y a des photos, vous allez quelque part, vous allez au siège du parti avec des photos de vous au siège du parti, ça fait du bien. Lorsque vous avez aussi des adeptes, il y a les adeptes pour les chefs de l'État, il y a les adeptes pour les présidents Jean-Marc. Vous voyez, au fond, c'est un problème. Ça, c'est mon point de vue. Le vrai problème ou la ponctuation du problème, c'est quoi? C'est le conflit de compétences, conflit de positionnement, conflit de leadership, les problèmes de leadership. Donc, si on résout les images, les problèmes, c'est que nous voyons, on n'a pas résolu les vrais problèmes. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est le problème de positionnement. Donc, c'est de cette façon-là, mes chers amis, qu'on résout les conflits. Alors, je vous ai montré l'escalade et l'escalade. Désescalade, des conflits, ça signifie qu'il faut dédramatiser les problèmes. Dédramatiser les problèmes. Il ne faut pas dramatiser les problèmes, il faut dédramatiser les problèmes. Ça, et il faut, pour cela, il faut ouvrir. Il ne faut pas fermer, il faut ouvrir la porte à l'autre. Il faut ouvrir sa position à l'autre. Il faut ouvrir pour que l'autre, en entrant dans l'autre, que l'autre va te découvrir, vous aussi vous allez découvrir les dedans de l'autre. Dédramatiser. Et à ce moment-là, on diminue les émotions qui nous ont submergés. On diminue les émotions. Et lorsque les émotions diminuent, on cherche le vrai problème, c'est-à-dire la ponctuation du problème. Ne vous laissez pas embrouiller par les bruits. Parce que lorsque les émotions augmentent, comme je disais, l'intelligence diminue. L'intelligence diminue. Et lorsqu'elle est déjà diminuée, il y a une confusion entre problème, conflit ou problème avec les individus. Ce n'est pas moi, mais c'est l'autre. C'est l'autre qui a fait ceci. L'autre qui te dit non, c'est pas moi, c'est lui. Et ainsi de suite. C'est quoi le vrai problème? Lorsqu'on se pose la question, c'est quoi le vrai problème? On cherche ce qu'on appelle la ponctuation. Parce que tout conflit commence par un vrai problème. Il y a toujours un vrai problème qui commence. Les restes, ce sont que des accessoires. Autour du vrai problème, ce sont des accessoires. Lorsqu'on arrive à découvrir cela, c'est à ce moment-là qu'on peut espérer résoudre un problème de conflit.
À ce moment-là, on peut résoudre les conflits. Et ces informations que je vous donne là, ce sont des informations très importantes que je vous donne pour que vous deveniez des vrais médiateurs. Je vous ai dit au début que vous n'êtes pas là. La biologie, rappelez-vous, après mes graduats, quand je parlais, nous avons parlé du niveau de complexité de la biologie. Nous avons étudié la cellule. Les cellules sont en conflit. Les cellules, entre les cellules, il y a des conflits. Il y a des conflits entre les cellules. Mais nous ne sommes pas au niveau cellulaire, nous sommes au niveau plus complexe de la biologie. Nous avons démontré, lors de la première séance ou première leçon, qu'une société s'est comportée exactement comme une cellule. Si vous avez compris le fonctionnement d'une cellule vivante, eh bien, vous allez aussi comprendre comment une société fonctionne. De la même façon, si vous avez compris comment une société fonctionne, cela veut dire que vous, biologistes, vous n'êtes pas seulement des biologistes pour des cellules, mais vous êtes des biologistes pour résoudre les problèmes de la société. C'est pour cela qu'on parle de la sociologie, c'est-à-dire que vous êtes dans la société. Pas seulement la société animale, les sociétés animales, mais les sociétés humaines, parce que nous sommes aussi des animaux. Nous sommes aussi des animaux. C'est nous qui avons appelé les autres animaux des bêtes. Et lorsqu'on regarde comment les choses fonctionnent, lorsqu'on essaie d'établir la similitude, on voit que parfois on se trompe parce que c'est nous qui avons dit que ce sont des bêtes, mais les animaux n'ont pas dit qu'ils sont bêtes. C'est nous. C'est nous qui avons dit cela. C'est nous qui avons classé que nous ne sommes plus intelligents qu'eux, mais ils n'ont rien dit. Mais peut-être le jour où nous allons comprendre le langage, le vrai langage des animaux, comme on étudie le langage des abeilles, nous allons finir par comprendre que non, on s'est trompé. Parce qu'il y a beaucoup de faits qui montrent que non, mais les animaux, comme l'exemple que je vous ai montré, les loups ne se mangent pas entre eux. Quand je vous montre l'organisation animale, l'organisation des castes chez les abeilles, castes chez les termitières, quand vous regardez, finalement, on se pose beaucoup de questions. Donc, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Utilisez la nature pour créer les emplois. Utilisez la nature. Nous avons beaucoup de choses à faire avec la biologie. Donc, comme je disais, nous ne sommes pas là seulement lorsqu'on finit notre licence ou nos études en biologie, on doit aller au ministère de l'Environnement. Vous avez de la place au ministère de la Défense. Vous avez de la place dans l'administration. Ne soyez pas surpris de voir, voir un biologiste travailler dans l'administration. Vous savez, le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université, c'était notre ministère. Il y a eu les procès de Mandé. Des années, il était secrétaire général l'enseignement supérieur universitaire. Il y a eu le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, le professeur Théophile Mbemba, que j'apprécie beaucoup. Les deux, d'ailleurs, avec le monde, ce sont vraiment des gens que j'apprécie beaucoup. Ils étaient là et ça marchait parfaitement bien. Donc, professeur le monde, secrétaire général de l'enseignement supérieur universitaire, qu'est-ce qu'il fait là-bas avec sa biologie? Mais là, c'est l'administration, la gestion de la société. C'est l'administration, voilà l'exemple que je vous donne, c'est de l'administration. Mais Théophile Mbemba, ministre de l'enseignement supérieur universitaire, bourgmestre de la ville, gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais c'est l'administration. Il a gouverné la ville de Kinshasa parce qu'il avait des connaissances en biologie. Il connaît la cellule, comment la cellule fonctionne. Il n'y a pas une organisation plus difficile, plus complexe que l'organisation cellulaire. Quelqu'un qui a compris l'organisation cellulaire, comment? Je me pose la question que regardez l'ordre au sein d'une, la structure, la cellule, c'est toute une organisation extraordinaire. Si quelqu'un arrive à comprendre le fonctionnement, l'organisation cellulaire, je ne vois pas quelqu'un qui a compris l'organisation cellulaire ne peut pas comprendre l'organisation d'une société de la vie de Kinshasa. Je ne vois pas. Parce que lorsqu'on a compris comment la cellule fonctionne,
lorsqu'on a maîtrisé les bâtiments, chaque organite, n'est-ce pas, ribosome, vous avez mitochondrie, fonctionnement, le métabolisme du sucre, comment ça se passe lorsqu'on a compris cette organisation. Mais de la même façon qu'on peut très bien gérer la vie des Kinshasa, même on peut gérer les pays. On peut gérer les pays. Donc c'est comme ça que, mes amis, je voulais vous ramener pour dire qu'il ne faut pas vous créer des limites dans vos têtes. Ne vous créez pas de limites. Ouvrez. Cherchez. Vous avez plus de choses à faire. Réalisez les cours de virus que je vous donne. Réalisez ça. Réalisez, maîtrisez bien le cours. Vous allez voir que vous allez chercher. Les gens seront surpris de vous voir après, de faire le CV, aller déposer le CV par-ci, par-là. Et quand vous y allez, dans l'entrevue, on va vous poser, vous venez, qu'est-ce que vous voulez nous offrir? Vous devez vous vendre. Vous devez vous vendre. C'est vous qui devez faire la publicité.